Integrative Box. C'est un système basé sur l'intelligence artificielle qui va aider les médecins à traiter les patients transplantés du rein, du cœur ou du poumon. On l'a envisagé comme un outil qui n'est pas une opposition au médecin, mais un outil compagnon. En d'autres termes, le médecin reste maître de sa décision basée sur son expérience personnelle et sur sa spécialité, mais la machine vient l'aider et vient l'aider à prendre les bonnes décisions. Elles sont agrégées dans des algorithmes mathématiques qui vont les convertir en probabilité pour un patient de développer un rejet, de développer une maladie cardiovasculaire, de développer un cancer, et de façon intéressante, prédire la trajectoire de son greffon, c'est-à-dire combien de temps le greffon va vivre, et on peut projeter ça jusqu'à 10 ans après l'évaluation avec de très très bonnes performances. On sait très bien qu'il y a une pénurie d'organes, elle est mondiale, et que cet algorithme-là permettait d'utiliser des greffons de donneurs plus âgés qui n'étaient pas utilisés. On a montré que l'utilisation du système a déjà changé les pratiques médicales, notamment aux États-Unis, pour lesquelles en fait la transplantation ne prenait pas en compte les donneurs âgés. Nous, on a montré qu'on pouvait greffer ces donneurs âgés à des patients, et donc on a donné un accès à la transplantation à plus de patients aux États-Unis. Et ces données ont très concrètement fait l'objet de changements des règles établi par la Société américaine de transplantation en 2020. On essaye de connecter des personnes avec des profils différents. Et c'est donc des médecins des sciences de population, des néphrologues, des cardiologues, des biostatisticiens, et puis évidemment des personnes qui sont des mathématiciens, data scientists. Donc c'est une vraie approche dans laquelle on essaye de casser les barrières entre les spécialités médicales, ce qui n'est pas souvent facile, puisque c'est des spécialités très fragmentées souvent. On casse ces barrières, on les amène à travailler tous ensemble, et puis le cœur du réacteur de ça, c'est donc la collaboration et la coordination, puisqu'aujourd'hui dans la recherche moderne, rien ne se passe sans ça. Et je crois qu'on est une bonne preuve de concept dans cette équipe de travail multidisciplinaire avec des personnes qui ont des horizons différents. On transforme de la science et de l'innovation en un outil concrètement qui puisse être là pour le bénéfice du patient et pour aider les médecins à améliorer la prise en charge de ces patients.